camarades peu d'Afrique, peu du Mali. Venez voir, chers camarades, Assimi Goïta accueilli un héros au niveau de Kati. Un héros national après la prise éclair de Kidal. Après la prise éclair de Kidal, chers camarades, venez voir vous-même. Triomphal. Assimi, c'est un héros, chers camarades, peu d'Afrique. Et voici l'ambiance qui règne à Kati. Les populations ont accueilli le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, comme un héros. Oui, une façon pour elle de saluer le chef de l'État et à l'ensemble des autorités de la transition pour leur engagement pour un Mali un et indivisible. La date du 14 novembre est un repère pour le Mali tout entier, car marquant la reprise de Kidal. Voyons. C'est ça qui est la vérité. Regardez voilà. Oh, le chef. Oh, là, il arrive. Ah, oh, la population. Héros national, quel est bien. Oh, le grand Goï Goï. Là, voilà, il rate maintenant. L'administration territoriale et de la décentralisation porte le discours du gouvernement. Il y a un communiqué du gouvernement. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Avec vous, la lecture du communiqué. Merci. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 062 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Voilà. Le gouvernement de la transition a l'immense plaisir d'informer l'opinion nationale et internationale qu'en application de la résolution 2690-2023 du Conseil de sécurité des Nations Unies, les forces armées et de sécurité du Mali ont occupé les emprises de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, MINUSMA, à Kidal, à travers le contrôle de la dite région pour le bonheur des populations de la localité qui ont souffert le martyre pendant plus d'une décennie de l'occupation de la zone par des terroristes sans foi ni loi. Ni loi. Cette prouesse opérationnelle représente une étape décisive dans le cadre des rétrocessions des emprises de la MINUSMA aux forces armées et de sécurité. Malgré les anicroches, les trahisons et les complots ayant entouré ces opérations de rétrocession, les prévisions fantaisistes, nos vaillantes forces armées et de sécurité ont atteint leurs objectifs et le Mali est et restera un et indivisible. À cette heureuse occasion, le gouvernement de la transition félicite chaleureusement Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, chef suprême des armées, pour son leadership éclairé, son patriotisme légendaire et sa détermination sans faille à sauver notre peuple et notre pays. C'est aussi le lieu de féliciter l'ensemble des forces armées de sécurité du Mali pour leur professionnalisme, leur abnégation dans la défense de l'intégrité du territoire et la sécurisation des personnes et des biens. Le gouvernement de la transition salue la résilience historique et héroïque du peuple malien qui a subi stoïquement des épreuves destinées à affaiblir son soutien à la transition. Entre autres, les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines
de la CEDEAO et de l'UEMOA, les diffamations, les délestages et les inflations des prix de denrées de première nécessité instrumentalisées à des fins politiques, etc. Le gouvernement de la transition remercie l'Alliance des États du Sahel, tous les amis du Mali, d'Afrique et d'ailleurs, à la fois des acteurs étatiques, tout comme des individus, des organisations épris de paix et de justice qui ont apporté leur soutien constant et sincère à notre patrie. Le gouvernement de la transition saisit cette occasion pour s'incliner pieusement devant la mémoire de toutes les victimes de l'insécurité au Mali et s'engage à faire en sorte que leur sacrifice ne reste pas vain. Le gouvernement de la transition réaffirme sa détermination à lutter contre le terrorisme sous toutes ses formes. Enfin, il réitère son engagement à exercer la souveraineté du Mali sur l'ensemble du territoire national et à œuvrer pour la paix, la stabilité et la réconciliation nationale. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens. Merci de votre très aimable attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour ces éléments de compréhension. Ensuite, camarades, vous avez écouté le ministre, mais vous avez vu l'ambiance qui était autour, frère, de l'accueil d'Assimi Goïta, le héros national, frère. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu décides, quand tu prends l'engagement, et quand tu demandes au peuple de te soutenir pour quelque chose, et que tu ne te dérobes pas sur le chemin, et que tu restes droit malgré tout, le peuple là, il te sera reconnaissant. Et il te suivra de façon moutonnière. Ouais. Mais si tu fais le malin, et tu penses que le peuple va te suivre dans cette voie, que tu auras prise, parce que tu leur dis, suivez-moi parce que je veux établir la souveraineté du Mali sur tout le territoire, sur l'ensemble du territoire malien. Et puis pour finir, tu ne fais pas le pas dans ce sens. Tu ne fais rien, tu t'agiverses, le peuple t'arrachera sa confiance. Ça va prendre le temps que ça va prendre, hein? Mais le peuple t'arrachera sa confiance. Frère, Assimi Goïta, il a dit, je vais reprendre tout le territoire malien. Un centimètre du territoire malien ne sera pas concédé à qui que ce soit. Et il est sur le chemin et il vient de prendre le plus grand bastion des terreaux, qui est Kidal. Frère, le peuple malien sait que il a eu raison de placer sa confiance en Assimi Goïta. Et aujourd'hui, le peuple renforce sa confiance. Ces manifestations que vous voyez là, c'est de façon instantanée. C'est comme si c'est pas, ils ont appelé, non, de façon instantanée, ils se sont trouvés là. Parce que le peuple est fier d'Assimi Goïta. Le peuple est fier de son travail. Et le peuple sait qu'il peut faire confiance à Assimi Goïta. Et ça, il n'a même pas besoin de faire campagne pour gagner en 2024 les élections. Il n'a même pas besoin de faire campagne. Juste, je suis candidat pour continuer mon travail. C'est fini. C'est fini. Et il gagne. Et c'est ça que Babou Laurent avait fait en Côte d'Ivoire. Il a dit, donnez-moi le pays et je vous redonne. Frère, même nous qui étions au nord de la rébellion, frère, nous qui étions dans le nord, dans les endroits, dans les zones assiégées par la rébellion, nous, on sentait, frère, la gouvernance généreuse et sociale de Babou. On ne payait pas courant. Au nord, on ne payait pas courant, on ne payait pas l'eau. Allez, dis ça à qui veut. Moi, j'étais au nord.
On ne payait pas courant, on ne payait pas l'eau, on partait à l'école, on partait à l'école, on se soignait, on faisait tout au nord. Camarade peu d'Afrique, on faisait tout au nord. Et les petits, petits boulots s'étaient versés partout. Putain, tout le monde s'en sortait. Ah, Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et le peuple a compris ça. Mais ce qui a été le problème de la Côte d'Ivoire, même malgré tout, Dieu a fait que Gbagbo a gagné les élections en 2010. Il a gagné. Mais les Blancs n'ont pas voulu lui donner sa victoire. Il a gagné dans les unes, mais il a perdu les résultats. Les Blancs ont arraché la victoire et ils ont donné à Dramane. On a vu ça, tout le monde a vu. David Cameron, il vient d'arriver encore aux affaires, ministre des Affaires étrangères. Et les Obama, les Sarkozy étaient là. Ils ont pris sa victoire dans la Dramane. Mais le peuple n'a pas oublié. Le peuple n'a pas oublié. Le peuple sait que ce monsieur est celui qu'il faut pour la Côte d'Ivoire. Quand ils l'ont pris, ils l'ont envoyé à la CPI. Derrière lui, Afin Gessan voulait voler son électorat. Derrière lui, la France-Afrique a mobilisé Afin Gessan pour voler son électorat. Le peuple a dit, Gbagbo dit quoi? Et Abdoulaye Sangara a dit, on ne suit pas Afin Gessan. Gbagbo dit, on ne suit pas Afin Gessan. Tout le peuple dit, bon, comme Gbagbo dit, on ne suit pas Afin Gessan, nous on te suit. Abdoulaye Sangara, ce que tu nous dis, on fait. Et ils ont suivi. Et le peuple a suivi Abdoulaye Sangaré sur la voie de Gbagbo. En 2018, Abdoulaye Sangaré est mort. Abdoulaye Sangaré est mort. Quand Abdoulaye Sangaré meurt, 2018, non? Quand Abdoulaye Sangaré meurt, il mobilise encore Afin Gessan. Il mobilise d'autres pions pour voler l'électorat de Gbagbo. Pour voler les sympathisants, les militants de Gbagbo. Le peuple demande, le peuple attend Gbagbo. Gbagbo dit, je donne ma confiance à Souadou, secrétaire général du FPI. À Souadou, dit Gbagbo, dit, on suit à Souadou. Frère, pourquoi? Parce que le peuple sait que ce gars-là, il ne nous a pas trahis. C'est pourquoi un homme, il faut avoir une parole devant les gens. Il faut être droit dans tes bottes, quelles que soient les difficultés. Il faut être droit dans tes bottes. Gbagbo a affronté la France-Afrique. Le peuple est mort. Plus de 67. Oh, père, ce sont 10 jeunes qui sont morts à l'hôtel Ivoire pour protéger le poids de Gbagbo. Pour empêcher les chars de l'armée française d'atteindre le président de Gbagbo. Frère, Gbagbo, après 10 ans, il revient en Côte d'Ivoire. Vous avez vu l'accueil. Malgré ce que Dramane Ouattara a mobilisé comme force de répression, vous avez vu comment le peuple est sorti. Frère, ils ont mobilisé certaines personnes ici et là. Ceux même qui étaient Gbagbo, ils les ont retenus contre lui. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'un homme, fécond, il fait tuer des enfants. Mais vous avez retenu certains de ses enfants contre lui. Mais il a des enfants qui ont grandi, qui se dressent contre ceux que vous avez dressé contre lui. Nous, on est là. Et on avance avec Gbagbo jusqu'à la victoire, chers camarades pays d'Afrique. 2025, Gbagbo sera le président de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous le dis. C'est moi, Bokone, qui vous le dis. Et croyez-moi. Et je profite pour appeler tous nos frères du Mali, tous nos frères du Burkina, tous nos frères du Niger, tous nos frères de la Guinée, tous nos frères de partout, tous les peuples africains. C'est Gbagbo qui est l'homme qu'il faut soutenir pour les échéances électorales à venir. Oui, c'est Gbagbo qu'il faut soutenir en 2025. Lui seul que la sphère panafricaniste doit soutenir.
Celui qui veut soutenir autre chose, il n'est pas sur la voie panafricaine, il est sur une autre voie. Et nous, on est en Côte d'Ivoire, on sait ce qui se passe. Frère, voilà la réalité. Et je salue le discours du gouvernement d'Ablaye Diop, Ablaye Maïga. Il a dit, malgré les trahisons de la MINUSMA, malgré tout, le Mali, l'armée malienne a atteint ses objectifs. Mais c'est pas fini. On va aller dans la zone des trois frontières, on va tourner pour aller vers Gao, raser tout. Tout le territoire malien sera rasé, balayé, toiletté, tout. Pop! Prends avance. C'est de ça qu'il s'agit. Chers camarades d'Afrique, partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains, Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Partagez la vidéo, partagez.